fatigué. Et moi, je meurs de faim. On va tous pouvoir se détendre à l'Institut Chrysalène et profiter de leurs 3 R. Repos, relaxation et revitalisation. Revite à quoi? Ça veut dire... N'en dis pas plus, l'attention des enfants de 10 ans est fragile. Est-ce que c'est à manger? Poulet de canon dans les bonbons. Tu pourrais arrêter de jouer les boulets de canon pour une fois? Oh, bon, d'accord. Oh, il ne faut pas que Ben voit ça. J'ai entendu mon nom suivi de « il ne faut pas », alors je suis arrivée à toute vitesse, c'est quoi ça? C'est rien, ne t'en fais pas pour... Quoi? Wow, c'est moi! Le métamorphe alien, héros ou zéro? Ben, ne le prends pas trop à cœur. Je suis un héros! D'un autre côté, il ne faut pas que ça te monte à la tête. Gwen, ils ont dit que j'étais un héros! Non, attends, tu devrais plutôt prendre les choses à cœur. Je suis un héros! Je suis un héros! Ouais! Je suis un héros! Je suis un héros! Oh non, pas encore! Excusez-moi, monsieur, cet enfant est avec vous. Cours, Gwen, à la revitalisation! Nous y voilà, les enfants. Cet endroit a l'air fabuleux. Vous trouvez pas qu'il fait un peu frisqué, vous? Oh, chers invités, bienvenue à l'Institut Chrysalène. Je suis Shasta Fay, la propriétaire de ces lieux. Shasta... Par où elle est arrivée? Ah, je ressens de la fatigue dans votre aura, mes amis. Alors entrez avec moi. Commençons votre voyage vers la détoxification. Qu'est-ce qui est arrivé à nos vêtements? Génial, il y a de la nourriture gratuite. Ici, dans notre établissement, vous allez pouvoir assister à des cours de yoga, profiter d'un massage relaxant ou essayer l'un de nos masques végétaux relaxants. Oh, il y a des sauces aussi. Mais je vous suggère de commencer avec la fierté et la joie de notre institut, les sources chaudes. Oh! Bien, je vais prendre congé. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord, mais comment faut-il que l'on vous appelle? Shasta. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Du repos et de la relaxation. Quand est-ce qu'on a enfilé nos maillots de bain? Ne pose pas de questions, Gwen. Contente-toi de te détendre. Oui, j'imagine que tu as raison. Est-ce que tu aimes ça, Ben? Chut! Tu vas gâcher ma couverture. Ta couverture? Je suis une star maintenant, Gwen. Il faut que je fasse profil bas. Est-ce que tu penses encore à cette couverture de magazine? Tu parles de cette couverture? Ben, je t'ai dit de ne pas trop y accorder d'attention. Je crois que tout ça te monte à la tête. Ce qui est bla 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 bla. La justice est un roc! Elle choque! Wouhou! Bien joué, Ben. Je ne fais que mon travail. C'est moi le meilleur! Cet endroit est génial! Quoi? Je suis si heureux qu'un ami me l'ait recommandé. Oui, en effet, j'ai des amis. Oh, j'aimerais savoir ce que ces sales bestioles font ici. Je suppose que même les méchants ont besoin de se détendre de temps en temps. Le peignoir de Maurice est bien trop grand pour son corps. C'est pas une plaisanterie, Gwen. Il mijote forcément quelque chose. Je vais voir ça. Attends, Ben. On avait vraiment besoin de ça, pas vrai, Sydney? Ne faites plus un geste! Oh, Ben Tennyson, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous, vous faites là? On est seulement venu pour se détendre, pas vrai, Sydney? Pas si j'ai mon mot à dire. Et justement...